ce qui n'est véritablement pas le cas. La députée de Saanich-les-Îles-du-Golfe. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon ami de Nipissing-Renfrew. Moi, je suis activiste depuis toujours et même si je ne partage pas les objectifs de ma collègue, je peux comprendre son enthousiasme. On est sur le point de supprimer ce registre. Et la députée ne croit-elle pas que puisqu'on a investi pour recueillir des données et que les provinces sont prêtes à investir, est-ce qu'on ne devrait pas conserver ces données pendant un certain temps afin que les provinces puissent déterminer si leurs services de police ne pourraient pas y accéder ou les utiliser? La députée de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue d'en face. La réponse à sa question est non, absolument pas. Mes électeurs et les Canadiens veulent que ces informations soient détruites. Avec le temps, de toute façon, ces informations sont périmées en grande partie. C'est ce que les policiers nous disent et c'est ce que nos électeurs veulent. Question et observation, la députée d'Halifax.